Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Un petit avertissement avant de commencer. PEGI 18. PEGI plus plus. Allez, l'autre là, ça y est. Les gens, si on a un peu du mal à vous répondre, c'est parce que voilà, on va être quand même en train de jouer. Ok. Bon, déjà, pas, on va voir s'il n'y a pas tout qui crache soudainement. C'est quoi ce système? Mais t'arrêtes de te plaindre, toi? T'as pas envie de prendre une voix d'homme pour te plaindre? Bon, alors, par contre, au début, est-ce qu'on peut mettre la pause? Je peux même pas arriver à faire cette voix-là, moi, maintenant. Je suis arrivé trop... Ah non, vous avez mis pour ça, là, ce soir, il travaille en général le samedi soir, malheureusement. Les chats vaincront. Vive les Time Lords. Ça va manquer d'accent, tout ça. McGee, il faut le focus, hein, parce que moi, j'aime pas les chats. Bon. Bon, 40 joueurs, alors qu'ils disent que c'est 32, normalement, je pense que ça devrait passer. Oh, attends. Ça devrait bien se passer. Optimiste. Ah, Alphaël a crash. D'accord, ça commence bien. Ça pourrait arriver. Sélection naturelle. Exactement. Il y en a 8 qui vont disparaître. Ah, bah là, il n'y a pas d'assurance vie. On est toujours bon. Alphaël, tu pourras essayer le hot join si tu veux. Tu pourras essayer de revenir en hot join. Par contre, quand vous faites le hot join, reprenez bien votre empire à vous, les gens. Hein. Vous amusez pas. Ouais, pas l'empire déchu. Je suis l'empire déchu. Non, mais non. Ouais, le déchoir, okay, bon. Voir. C'est parti, tout le monde est là. Bon, moi j'ai fait mon rôle hamster, Osef. On va se mettre en vitesse, je pense, normale. Bon, pour l'instant, je laisse en pause. Je vous laisse 5 minutes pour organiser vos recherches. Votre race. Et puis. Rastaquer. Ah, je suis idéalement placé dans la galaxie, c'est-à-dire tout seul dans un coin, j'espère. Oh putain, je suis au beau milieu. Oui, tout suite. Un pacifiste au beau milieu de la galaxie. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Je suis plutôt dans une périphérie, moi. Alors, cette fois, je joue des chercheurs. Oh, je suis dans un axe oblique à l'astrolabe. Je suis bien caché. Je suis loin. Je suis loin aussi. Je suis mort. Ah, merde. Je suis ton père. De con, va, putain, mais y'en a pas un pour attraper l'autre. C'est ça que j'adore avec cette équipe de débiles. Ah, débile, le mot est lâché. Non, c'est vrai que... Eh ben, autorisé, procréation des esclaves. Autorisé, c'est bien pour le business. Ok. Autorisé, je crois que c'est saloperie J'autorisais bombardement orbital. C'est un peu comme les lapins dans un clapier, tu vois. Toi, t'es con, toi. Droit de vote, c'est droit de vote. Et après qu'il les bouffe. Premier contact agressif. Ah, voilà, c'est bien. Bombardement orbital total, premier contact agressif. Classique. Voilà, normal. On va se la jouer modeste et subtil, c'est ça? C'est bizarre parce que je suis militariste fanatique, mais la purge est prohibée. Ouais, c'est autorisé. Ah, hot join request. T'étais pas là, déjà? Ah ouais, mais je suis codron, non? Je suis militariste fanatique et spiritualiste. C'est peut-être le côté spiritualiste qui joue aussi. Bah, si tu veux de la purge, faut être xénophobe ou collectiviste. C'est ça, si t'es pas, collectiviste, c'est ça. Je comprends pas, tu peux être xénophile, en fait, t'aimes les mecs de ton espèce, quoi. C'est pas que t'aimes pas les autres, mais t'aimes les tiens, donc tu... Non. Là, xénophile, c'est toutes les espèces en fait, tu aimes toutes les espèces. Et xénophobe, c'est tu aimes que ton espèce et tu rejettes les autres. Ça les... Oui, mais si tu massacres les autres indirectement, c'est pas que tu ne les aimes pas, tu les as juste massacrés, mais tu les aimes initialement, avant de les massacrer. Pas de discussion philosophique dans ce stream. Bah, c'est pas du philosophique, c'est du cohérent. C'est du réfléchi. Ardibout, c'est ça charge, qu'est-ce qui se passe hein? Ah, hey. Aria, putain de plot. Tu es fantôme spectateur de la game. On peut rien faire là parce qu'il y a des du monde qui a rejoint, c'est ça? Ouais, c'est un hot join là, les gens. Donc c'est faut attendre juste qu'ils finissent de charger la partie. Fait, il a chargé la partie. Au moins, on n'a pas à réhéberger, c'est pas mal, mais ça prend. Le temps de regarder les chats en fait. Ça va. Bon, là, je peux pas cliquer sur commencer en fait. Je peux pas cliquer sur commencer, donc il y a un truc qui va pas. Il y a quelqu'un qui n'a pas choisi son empire ou quelque chose dans ce genre.
Ah, mais sur la top, ah, empire, c'est pas bien. Ok. Synchronisation de la partie, voilà, tous les joueurs sont présents, c'est parti. Voilà. Ok, c'est bon, on est reparti. C'est quoi ? Ok, bon, si ça vous va, pour moi, si je suis prêt, on peut enlever la pause. De même problème. Pour vous. C'est bon. Oui, aussi. Alors, très... c'est parti, on va voir comment ça va se comporter. Hop. J'ai hâte de vous croiser, de vous disséquer. S'il vous plaît. Bon, ça a l'air, hey, ça a l'air de bien tourner quand même la vitesse normale. Ouais, bah je sais pas si ça tourne bien parce que j'ai l'impression d'avoir un vaisseau scientifique bourré là par contre. Hein. Ça lag. C'est ma 7 planète quand même. C'est pas mal. Bah, ça va pas très vite, ça avance tout doucement quoi. Bah moi il avance tout par à coup. On a Jibo qui est pas coordonné. Mais là, déjà ça commence. Oh putain, yeah, c'est une grosse. Normalement il y a que Jibo qui rame. Bon, le modérateur dehors. Je vais avoir une liste de contestes moi à côté du pays. Oh putain, t'es pas dans la merde. Oh la vache, là, ce que ça rame. Je suis parti ce fois sur 3. Ça rame pas mal sur la carte galactique. Dans les systèmes, en fait, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais mon vaisseau il avance pas quoi. C'est normal. Alors, Tips, j'essaie de te voir dans la liste. Non, t'es bien synchronisé, Tips, pourtant. Moi, je t'avance pas à court. En fait. Moi, j'ai zéro. Si vous passez la souris sur l'information de la vitesse en haut, vous avez en fait les dates de tout le monde. Et comme ça, vous pouvez voir en rouge ou en jaune. Jibo, elle a très bien. Ah ouais, c'est Jibo. C'est Jibo qui pourrit le truc. Putain, Jibo, la vie de Tata. Les plus faibles sont éliminés. Jibo, j'ai passé chez toi, j'ai défoncé la tête. Bon, en tout cas, je veux pas dire, mais ça progresse plus la vite que sur Europa. Pour le nombre de joueurs, ça va plus vite qu'Europa. D'ailleurs, en parlant de nombre de joueurs, Jay, parce que j'ai pas trop suivi, quand t'es allé à Londres, alors ça donnait quoi la partie en multi ? Fais-nous un petit debriefing, quoi. Ah bah, c'était énorme. Ouais, je me doute, ah, comme ma bite. J'ai déjà fait un debriefing au live l'autre fois, mais... Si allez, ça y est, tout mal. On a une vie sociale, monsieur. Il m'a empêché de réviser mes partiels. T'en fous, ça rend les parcelles. Ça rend les parcelles. Genre. Bah écoute, on était genre 25 joueurs déjà. Il y avait quelques IA, je pense une quinzaine, quelque chose comme ça. Et moi j'avais Arumba sur ma droite, juste à côté de moi. Mais genre, depuis son homeworld, il pouvait jumper directement dans ma capitale, tu vois. Donc j'étais un peu stressé, je me disais, je vais me faire massacrer. Sauf que le truc, c'est qu'Arumba n'avait absolument pas touché au jeu alors qu'il avait reçu la clé comme nous quelques jours avant, tu vois. Donc, et ici, ouais. Il n'avait absolument suivi aucune information sur le jeu. Ok, bon, Jibor n'y est plus. On va continuer. Désolé, Jibor, mais je pense que ça va pas, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ce n'est qu'un. Et du coup, vu qu'il savait pas du tout, il maîtrisait pas du tout le jeu, bah, en fait, il a dit : ça fait quoi si je déclare un empire déchu en tant que rival ? Du coup, il a essayé pour voir. Il s'est fait déclarer la guerre par un empire déchu dans les 5 premières minutes de la partie. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon, il s'est juste fait humilier, ça lui a fait une pénalité de bonheur, je crois, un truc comme ça. Et juste après, il colonise un monde Gaïa tagué en monde sacré, donc l'Empire des Chus lui revient dans la gueule. Putain. C'était trop drôle. Ça va, t'étais sécure. Et moi, après, je me suis plutôt bien démerdé. J'ai fini en alliance avec les Blorgs, parce qu'ils m'ont demandé officiellement en alliance devant le stream et tout. Et après il y a Colettine qui a rejoint l'alliance aussi. Et en fait le premier jour on avait il y avait un pacte de non-agression en fait, on pouvait pas se faire la guerre. Contact. Ah, putain, j'ai déjà. Un voisin. On va voir qui c'est. Pareil. Et vous êtes où vous dans la galaxie? Bon bah j'ai pas ça tout près quelque part perdu. Bon et t'as vu mon idole? Où il était pas? Moi, je suis au sud-sud-est. Lequel? Bah, y'en a qu'un. Non, il n'y avait pas DDR Jake. Ah, oh, il n'y avait pas DDR Jake. Hein. Bah, la prochaine fois, tu vas en Suède, mon lapin. Eh ben, j'espère bien. Et tu te ramènes une sud-ouest, tant qu'à faire. Et donc, le lendemain, en fait, ce qu'il y avait de rigolo, c'est que le soir même, on s'est tous installés, on a fait deux groupes, en fait, pour organiser les alliances et tout, qui étaient en train de xénophobes. Pour le lendemain, quoi, vu que le lendemain, il n'y avait plus. Il y avait quoi, les chocolatines et pas au chocolat? Non, même pas, parce que ça non. Oh, ça va pas recommencer. Ouais. Wow, le lendemain, grosse opération de guerre.
Les grands malades. De guerre dès le premier matin. Et du coup, je dois reconnaître que ma flotte a bien tout défoncé tout le monde. Et c'était très sympa. Et après, du coup, on a fait quoi ? Les Blorgs ont essayé d'organiser une attaque sur un empire déchu. Pour voir. Sauf que ça s'est très mal passé. J'ai réussi à sauver une partie de ma flotte. Et en fin d'après-midi, on a fait free for all, quoi. Moi, je me suis allié avec Quill et on s'est retrouvé dans trois gares en même temps et tout. Free et for all, carrément. On les a défoncés aussi. Donc, c'était cool. Ah ouais, bien. Première flotte alien découverte. Putain. Attends, mais j'ai pris quoi, moi, déjà, comme type de monde ? Vous avez du bol, hein. Moi, mon empire, pour l'instant, j'ai trouvé 4 sources de minerais et c'est tout. Bah, j'ai 2 énergies et 2 minerais, moi. Alors, moi, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé 0 ressources dans tout le système. Moi aussi. Et il n'y a pas d'autres planètes dans mes frontières. Et combien de planètes dans votre système ? 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14. 40 joueurs, ça va être ça. Ouais, ouais. 14. On reste en vitesse normale ou on augmente ou quoi ? Non. On va rester en vitesse normale parce que je pense que ça va déjà être. De toute façon, on n'est pas assez fort pour jouer à vitesse rapide. 10, voilà, donc. 11, 12, 13, ouais, bah. 14, mais comment c'est possible d'avoir absolument rien sur tout un système sérieux, quoi ? Là, j'avoue 14 que c'est pas de bol, dans mon système solaire. C'est pas de bol. Ouais, 14 aussi pour moi. 14 objets, putain, mais vous avez été. Oui, non, mais il y a 14 objets vides de ressources, donc c'est quand même pas le délire le plus. Non, c'est le système solaire. Moi, j'ai 2 énergies, j'ai 2 minerais. Moi, j'ai pas le système solaire, moi. 2 énergies, 4 minerais. Dans le mien. 2 énergies, c'est un truc aussi. Ah, si, ça y est, j'ai trouvé. Yes! J'ai trouvé du minerai. De toute façon, c'est de la merde. De toute façon, Jay, il a un anus en plastique tellement il a de la chance, ce mec. D'accord. Alors on pose la question, est-ce qu'on peut abandonner une planète sur Stellaris ? Je crois pas. Hein. Non, on peut l'abandonner. Vraiment. Si, il y a moyen. Parce que il faut purger. Faut purger tout le monde sur la planète, non ? Ouais. Abandonner. Putain, c'est la ou alors peut-être totale, tous faire une relocation. On peut pas faire une relocation. Si, tu peux complètement déplacer ta pop, ouais. Au pire. Ouais, mais une fois la pop vide. Ouais, mais où s'il y a pas de place ? Ah bah s'il n'y a pas de place, faut coloniser un nouveau monde. Merde, c'est les plusieurs personnes ont le système solaire, j'imagine, Phoenix. Ouais, c'est marrant, c'est quoi comme ressource de base ? Aléatoire. Ah d'accord. Donc en fait, on a juste à regarder tous les systèmes. Mon dieu, j'ai les Time Lords à côté de chez moi. Oula. C'est qui les joue ? Hugo Senpai. Ouais, bah ouais, c'est... La planète, tu devrais renommer le système carrément, c'est la planète Gallifrey. Comment tu peux renommer un système ? En bas, t'as système machin, puis tu. Ouais. Quand tu. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Oh ! Rencontre en Unimar. Ils ont établi une ambassade chez moi. Gallifrey, c'est le nom de la planète, c'est pas le nom de l'étoile. Oui, Gallifrey. Attention. Ouais, mais bah, au pire qu'ils mettent le nom, ils changent le nom de l'étoile. Allez, on nous sort le nom de l'étoile. Allez. Et oui, Hugo, on est voisins. Moi, c'est que des NPC. Moi. Mon dieu, qu'est-ce que c'est la galère. Qui sont les mi... Ah. Anomalie, direct. Qui sont les mystérieux habitants de la planète Yahanus ? Les pas de la planète, mais du système. Ah. Est-ce que c'est... Jamais entendu parler. Moi non plus, je connais pas. Pareil, connais pas. On voit un peu ce monde continental. Moi, c'est Raktem Saranyan, si vous le cherchez. D'ailleurs, ils ont toujours pas fixé le bug. Mais t'arrêtes de te plaindre. Quand tu fais. Les quêtes secondaires et que c'est censé te bloquer un projet de recherche, bah tu mais peux pas un bug. Hein. C'est une esplante. Ils avaient dit, ouais, que. Non, le fixer. Après, tu peux rechercher plusieurs projets spéciaux en parallèle. C'est ça qui est pas normal en fait. Et ça bloque bel et bien ta. Ça bloque bel et bien ta recherche. Oui. Voilà, c'est bien ça. Je disais pas que le fait oui, que oui, ça. Oui, ça bloque, ça c'est sûr. Voilà, mais le bug justement. Mais tu devrais pas pouvoir faire en parallèle. Ouais. Voilà,
c'est pas ce qu'on est censé faire. Hein. Ah. Mais je trouve une planète intéressante. Je construis un vaisseau de colonisation. Et ben bah voilà. Un MIP spatial. Yannus n'est autre que... Chim. Oh, militariste. Oh mon dieu. De toute façon, je crois que tout le monde est quasiment militariste dans cette partie, si j'ai bien compris. Non, pas moi, moi je suis un pacifiste. C'est Borous, le nom du système. Et la fédération des flèches de l'espace, quoi. Ok, du coup. Non, mais... Fédération des flèches de l'espace. Moi, je manquerai plus. Space fasciste, quoi. Moi, c'est collectiviste et spiritualiste. C'est quand même des mycos, quoi. Ça vit en groupe, et c'est spirituel, quoi, ça te gratte. Tu sais pas pourquoi. C'est collectiviste, militariste, matérialiste. Du rêve. Ça donne envie. Bah quoi, c'est les mycoses quoi, merde. Alors, vous allez rire, mon chef, il a construction des corvettes, moins 20%, et l'héritière, elle a coût des vaisseaux, moins 10%, coût des armées, moins 20%. Il est temps de dire bonjour à... Ah. Elle est très sol. D'ailleurs, moi, elle fait quoi? Elle fait quoi, ma queen? Non, j'y crois pas. Coût voilà. Des constructions des avant-postes frontaliers, moins 15%, coût de construction, moins 15%. J'ai pas fini le... Bon bah c'est confirmé, zéro ressource dans le système de base. Oh c'est bien. Zéro autre système. Putain, zéro ressource dans le système. Zéro ressource et pas d'autres, planètes où construire des trucs, hein. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà le côté positif, t'es pas cocu. Ah bah ça va être cool, hein, ça va être long le début. Plus c'est long, plus c'est bon. Jiba, il y a la question très intelligente de demander à faire un tour de table. Ah, alors, C'est vrai, c'est oui, pas alors je vais. Étonnant. Donc, nous avons avec ma nous. Ma table est contre le mur, c'est dans l'ordre de faire afficher sur Discord. Oh. Bonjour à la Confédération de la Mycose. Oh, c'est copain Mycose. Ah, bah, c'est moi. Ah, MacLintor. Bon, alors, nous avons monsieur Buck qui est là. Oui, et bonjour. Buck, tu nous entends? Oui, oui, bien sûr. Oui, bah, présente-toi un peu, vas-y. Alors, moi, je suis la scientologie du kebab. Donc nous sommes les moutons dans l'espace, et nous sommes là pour faire régner l'ordre des moutons et essayer de convertir tout le monde au kebab. D'accord. Voilà bien. C'est pas bon pour D'accord. la santé, ça. Eh bien, bienvenue. Merci. Ensuite, nous avons Capitaine Moon. Oui. Capitaine Moon, tu nous présentes un peu ton empire, tout ça. Alors, l'empire, c'est l'empire en même temps, des pirates barbus. Hein, voilà. C'est simple. Le but, c'est d'avoir un maximum de leaders barbus. Hein, un dirigeant barbu. D'accord. Bah, je peux en faire pas après, je crois. Faudrait faire un mode. Faudrait faire un mode avec une politique comme ça. Ah, mais j'attends que ça. J'attends n'autoriser que les barbus. C'est ça. Même les femmes, pareil. Alors, j'ai rencontré la coalition Isratienne. Ici, je suis à la fois xénophile, militariste et. Ta-na-na-na. Voilà. Des vrais barbus. Bien. Situation updated. Oh putain, ça commence à rencontrer plein de monde. Vas-y, comment t'as voté non, MacLintor? Non, je me suis planté, t'inquiète, ça tout le monde. Mon cul, il se plante pas, non. Ah merde. C'est trop bien, j'ai l'impression d'être vraiment seul. Hijacked fleet hostile dans le système. J'ai une flotte de méchants qui a popé dans mon système. Les Red Prophets, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, t'as les fanatiques, toi aussi? Non mais... Oui, d'où ils sortent ces enfoirés? Ils viennent de popper dans mon système aussi. Ouais, c'est la violence totale quand les mecs qui popent comme ça directement. Ils sont à l'autre bout de l'univers, quoi. Non, là-bas. Bon, enfoirés, dégagez de là. Bon, bah... Au bout de 2 minutes, l'hôte est mort, faut relancer la game. Oh oui, j'ai un monde colonisable à côté de chez moi. Bah... d'ailleurs, il faut qu'on renomme notre alliance, là. Hein. Bah ouais. C'est quoi le nom de l'alliance? Ah, j'ai rencontré du monde. Yann 601, Soleil 28. Là, je suis bien entouré, quoi. Ah, on a trouvé aussi un empire déchu. Oh putain, j'ai retrouvé les connards. Ouais, qui déchu, veut déjà être rival c'est de cet empire déchu? Que je suis en mode spectateur. D'accord. C'est normal que tu sois en mode spectateur ou... Ouais, je crois que c'est volontaire. Pas du tout.